Bonjour et bienvenue dans cette petite séquence vidéo. Nous allons tout simplement étudier l'interaction gravitationnelle et la force de pesanteur. L'interaction gravitationnelle et la force de pesanteur, c'est un peu flou, mais je lis et puis vous écoutez. Donc on va commencer par l'interaction gravitationnelle et on va terminer par la force de pesanteur ou le poids. La force de pesanteur, ça s'appelle encore le poids. Alors, interaction gravitationnelle, vous avez ici le Soleil. Ça, c'est le système solaire. Et vous avez les planètes. Vous voyez, vous avez des astres, tout ça. Alors, eh bien, ici, on parle d'interaction gravitationnelle. Donc, entre les astres entre eux, on va dire ça comme ça, la force qui s'effectue là-bas, qui, eh bien, on dit l'interaction gravitationnelle, l'action mécanique qu'il y a entre les astres, on parle d'interaction gravitationnelle. Alors, dans le système solaire, vous voyez, dans le système solaire, les planètes et le Soleil s'attirent mutuellement. Vous voyez, c'est pourquoi, imaginez-vous un peu, pourquoi nous, la Terre, on ne va jamais à droite, on va là-bas au fond, on va se perdre. Vous voyez, c'est un peu comme un enfant, un tout petit enfant, quand il sort de la maison, il sait pas, il va n'importe où, vous voyez, il va se perdre, il ne sait pas où il va. Mais pourquoi, en fait, la Terre, nous sommes ici par exemple, la Terre, alors pourquoi elle ne va jamais dans le Soleil? Vous voyez un peu? Pourquoi elle ne rentre pas dans le Soleil? Ou bien pourquoi elle ne va pas de l'autre côté en haut là-bas? Et bien pourquoi elle ne descend pas? Ou bien elle ne va pas à droite? Et jamais non. Mais elle est toujours à la même position par rapport au Soleil. C'est vrai, elle tourne autour d'elle-même et autour du Soleil, mais elle est toujours à la même. Parce qu'en fait, le Soleil et la Terre s'attirent l'un l'autre. Voilà, vous voyez? Le Soleil, il attire la Terre. La Terre attire le Soleil. Ce qui fait que les deux se maintiennent à la même position. Mais en fait, pas à la même position, surtout parce que le Soleil, il doit aussi attirer Jupiter, vous voyez. Il doit attirer Saturne, il doit attirer Uranus, il doit attirer Neptune. Ce qui fait que comme il doit attirer tout ça, toutes ces planètes, alors ce qui fait que finalement, les forces vont se compenser. Toutes ces planètes vont rester à leur position. Mais s'il n'y avait que, par exemple, s'il n'y avait que la Terre comme planète et que le Soleil avait sa taille là, ces dimensions là, comme c'est dit, c'est gigantesque, alors certainement la Terre serait rentrée déjà, on va dire comme ça, vers le Soleil, dans le Soleil, et on serait brûlé. C'est un peu comme, vous voyez, comme un ballon que vous lancez vous lancez en haut, il finit par retomber parce qu'en fait sa masse par rapport à la Terre est faible. Et lorsque la masse d'un objet est faible par rapport à la masse de l'objet qui l'attire aussi, il va rentrer dans l'objet. Donc vous voyez pourquoi en fait la Terre ne rentre pas dans le Soleil, ou bien pourquoi la Terre ne va pas dans ce sens, ou bien ne va pas comme ceci, c'est parce que la masse du Soleil, voilà, parvient, elle est un peu équivalente, on va dire comme ça, à la masse de toutes les autres planètes, si on les met ensemble. C'est pourquoi le système se maintient. Vous voyez? Mais s'il n'y avait qu'une seule planète, par exemple la Terre, je ne suis pas très certain que la Terre resterait à sa position parce que la masse du Soleil est plus grande que la masse de la Terre et par conséquent, le Soleil devrait attirer la Terre vers lui et l'engloutir. Vous voyez, c'est un peu comme le ballon quand on lance et comme la masse du ballon est négligeable, c'est dérisoire par rapport à la masse de la Terre. Vous voyez, c'est pourquoi le ballon lui tombe. Mais si le ballon avait une masse importante comparativement à la Terre, je ne suis pas certain que le ballon tomberait. Il resterait. Regardez un peu la Lune. Voilà, regardez la Lune et la Terre. Pourquoi la Lune ne tombe-t-elle pas sur nous? Parce que la Lune et la Terre, elles n'ont pas la même masse, mais elles ont quand même des masses voisines. C'est des astres. Vous voyez, c'est pourquoi elles se maintiennent à distance. Elles se maintiennent à distance. Donc voilà, c'est ça. Donc on dit dans le système solaire, les planètes et le Soleil s'attirent mutuellement. C'est ce qu'on appelle une interaction gravitationnelle. Donc le Soleil attire les planètes attirent le Soleil. Voilà, et on appelle ça une interaction gravitationnelle, tout simplement. Alors, de même, tout objet à proximité de la Terre est en interaction gravitationnelle avec... Regardez, le parachutiste, il est en interaction gravitationnelle avec la Terre parce qu'il est à proximité de la Terre. Il est à proximité de la Terre. Voilà, il est en interaction gravitationnelle avec la Terre. Alors, donc, je vais dérouler
Alors, ben voilà. Donc, voilà, c'est ça. Ici, vous avez une force d'interaction gravité. Vous avez le soleil. Le soleil, vous avez la Terre. Regardez le sens. Et ben voilà, ça c'est la force que le soleil fait sur la Terre. Cette force que vous voyez ici, on la met au niveau de la Terre. Vous voyez la flèche, ça veut dire le soleil, il attire. Regardez la flèche. Le soleil, ça, voilà sa force ici. On la met sur la Terre. On ne met pas sa force sur le soleil, non. On ne met pas sa force sur le soleil. On la met sur. On dit, il attire la Terre vers lui, le soleil. Ouais, c'est la force que le soleil fait sur la Terre. Maintenant, regardez. Ça, c'est la force de la Terre. La Terre est ici, mais sa force, on ne la met pas sur la Terre quand on veut la dessiner. On la met sur le Soleil. Regardez, c'est la force que la Terre fait sur le Soleil. Là, voilà. Regardez, elle attire le Soleil vers elle. Comme le Soleil, ici, attire la Terre vers lui. Ainsi de suite. On dit que les deux sont en interaction. Le Soleil et la Terre sont en interaction. Le Soleil et la Terre exercent des forces d'interaction gravitationnelle. Donc, l'interaction gravitationnelle entre le Soleil et la Terre, les deux forces, voilà, sont opposées. Regardez, elles n'ont pas le même sens, elles sont opposées. L'une vient comme ceci, et bien l'autre va, elles sont opposées. Alors, je vais vous montrer leur formule. Elles ont une formule que. Elles ont une formule. Donc, l'expression de la force, ou bien la loi de gravitation universelle, c'est sa formule ici. Mais je vais aller sur Internet pour vous montrer la formule avec des lettres. Ça, c'est du français, on dit. La force d'attraction gravitationnelle s'exerçant entre deux astres a une valeur proportionnelle au produit de leur masse m et inversement proportionnelle au carré de leur distance d. Non, je vais vous montrer la formule parce que dans le livre, eh bien, il n'y en a pas. Alors, donc, je vais aller sur Google. Je vais mettre Google. Voilà. Et je prends ça. Alors, je vais taper force gravitationnelle. Voilà sa formule. Valeur. Alors, donc, ça va venir. Je vais mettre formule ou bien valeur. Formule. Voilà. Je vais mettre formule. Et bien, comment ça va s'apparaître direct? Ça va apparaître directement. Alors, donc, je vais prendre image, certainement. Ça se verra mieux. La formule, donc voilà, ça vient. Voilà, elle est là. Vous voyez, c'est ça la formule ici. La formule, ce qui a été, c'est ça ici. Là, voilà, tout simplement. Voilà, vous avez des formules. Et regardez un peu le dessin ici qu'on avait tout à l'heure. Donc voilà, cette formule, ce que vous avez dans la leçon, ce qu'on vous a dit ici en français, voilà, c'est du français. Alors, c'est là, tout simplement, ici. En écriture, en équation. Voilà, donc on va continuer. Alors je vais remonter pour parler maintenant. On a fini avec l'interaction gravitationnelle. On va parler du poids. Voilà, la force de pesanteur ou le poids. Le poids, on dit encore la force de pesanteur. La force de pesanteur. La force de pesanteur, c'est la force d'attraction que la Terre exerce sur tout objet au voisinage de sa surface. Elle est appelée poids de l'objet. Vous voyez? Tout objet a un poids. Mais en fait, c'est quoi ce poids-là? C'est la force que la Terre fait sur cet objet. Tout objet qui est dans le voisinage, qui est au voisinage de la Terre, va tomber. Voilà, parce que la Terre l'attire. Voilà, la Terre l'attire vers elle, tout simplement. Et cette action mécanique, cette force-là, on l'appelle tout simplement le poids de l'objet. Alors, je vais continuer. Alors, donc, le poids, il a une direction. Regardez, le poids est caractérisé par sa direction. La verticale du lieu où se trouve l'objet, c'est une droite passant par les centres de l'objet et de la Terre. Le centre de la Terre ici et le centre de gravité de l'objet. Regardez la personne. Voilà. Ne dessinez pas ça comme ça. Comme ça. Mais en fait, ça c'est vertical. Ça c'est vertical, mais c'est tourné vers le centre de la Terre. Dans sa direction, la verticale du lieu où se trouve l'objet. La droite passant par les centres de l'objet et de la Terre. Dans le monsieur, regardez comme il est. Voilà, voilà la direction. Ça va du centre du monsieur, on va dire son centre de gravité, vers le centre de la Terre. En fait, elle a un sens. Elle a un sens aussi.
vers le centre de la Terre. Ça va vers le centre de la Terre. Vous voyez, on va vers le centre de la Terre. Elle a un point d'application, son origine ici, le centre de l'objet, tout simplement, le centre de l'objet. Alors, et pour calculer le poids d'un objet, on multiplie la masse m par l'intensité de la pesanteur g. Donc le poids, vous voyez, c'est égal à m fois g. M, c'est la masse en kilogrammes. Et g, c'est l'intensité de pesanteur. Je lis ça ici. C'est l'intensité de la pesanteur qui est en newton par kilogramme. Je vais dérouler comme ça, vous verrez mieux. Voilà. En newton par... C'est n avec un slash et kilogramme. Et le poids, c'est en newton, tout simplement, en n majuscule. Donc l'intensité de la pesanteur, elle dépend du lieu. Elle dépend du lieu. Parfois, bon, on va dire comme ça, mais on dit 9,8, 9,81. Donc c'est 9,8 qu'on va vous donner, par exemple, à faire dans les exercices. Et parfois, on peut vous dire, prenez 10, 10 newtons par kilogramme. Ou bien, on va vous donner 9,8. La majorité des exercices, surtout pour le programme français, on donne 9,8 newtons par kilogramme. Donc voilà, c'est ça. Le poids, je reprends. C'est la force que la Terre fait sur un objet qui est dans son voisinage, qui est dans son voisinage. Et elle a quelques caractéristiques. Elle a une direction, la verticale, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, vers le centre de la Terre. Elle a un sens, elle a un point d'application. Mais maintenant, lorsqu'un objet est à proximité, faut bien voir, lorsqu'un objet est à proximité de la Terre, on parle d'interaction gravitationnelle. Donc tout objet à proximité de la Terre, on parle d'interaction gravitationnelle, et tout objet au voisinage, ici, au voisinage de sa surface, c'est-à-dire la surface de la Terre, on parle de force de pesanteur ou de poids, tout simplement. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.